Bonjour mes tutelles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est là pour une nouvelle vidéo qui s'agit d'un haul qui va être composé de Primark, Action et Live. Parce que j'étais chez Molière, je ne sais pas si vous connaissez, mais nous c'est où il y a tous les livres. Enfin, il y a Molière, il y a Club et il y a... Enfin, il y avait BG Loisirs, mais il n'y en a plus. Du coup, il y a Molière. Il y a Molière et Cultura qu'on a maintenant qui est arrivé il y a quelques mois maintenant. Un petit peu plus quand même. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Voilà. Bon, c'est des grosses parties, c'est pour ça. Je vais vous montrer dans le désordre, mais je vous dirai d'où ça vient. Et voilà. Et du coup, je vais commencer tout de suite chez Axe. Chez Action, j'ai dit à Primark, je me suis pris deux paires de chaussures. Je me suis pris celle-ci pour aller au sport, noire, toute simple. Voilà. Parce qu'au début, j'avais pris celles que j'ai toujours au pied. Du coup, voilà. Ils sont à 14 euros. Voilà. Je me suis dit que, voilà, c'est des semelles comme ça pour aller au sport. Ce sera le top. Voilà. J'ai pris la même paire, mais sauf que j'ai pris là un truc plus flashy. Je sais pas si vous les avez pas vus. Ouais, les flashs là. Oh oui, j'avais trop envie d'avoir des rouges. Voilà, du coup, je me suis pris des belles rouges. Et j'aime beaucoup, on est vraiment bien dedans. Du coup, voilà. Ceux-là, ils sont moins chers, je pense, que les autres. Ah, celui-ci a pas de prix. Voilà, bon, enfin, c'est les mêmes normalement. Du coup, je pense que c'est le même prix. Prix marque. Je ne sais pas savoir. C'est compliqué chez eux. Je ne sais pas. Du coup, je me suis pris des petites pantoufles parce qu'il m'en fallait. J'en avais plus et j'ai pu trouver Stitch et Angel. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça va aller. Parce que je ne les ai pas essayé en magasin. Mais j'ai pu travailler 38-39. Du coup, voilà. Voilà. Ça, je vous montrerai après. On fera les livres en dernier. Du coup, ah, je couperai au montage. Allez, viens. J'ai pris deux, enfin plusieurs, mais ça je vous montre. Enfin, ça c'est les deux mêmes. Voilà, trois rouges à lèvres. Celui-là c'est pour moi. Celui-là c'est pour Madame Mariette. Et ces rouges à lèvres tiennent vraiment bien. Je me suis lavé la main. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est toujours marqué. Là, un petit peu, mais moins. C'est toujours marqué, le rouge là il tient vraiment bien. Ça c'était le rouge que j'ai mis, celui-ci. Il tient bien sur les lèvres. Vous voyez, il tient encore. Du coup, ça c'est pour Mariette et ça c'est pour moi. Voilà, et c'est au prix de 1,50. Du coup, voilà. Je me suis pris celui-là parce que j'aimais beaucoup déjà le packaging. Vous voyez pas trop. C'est vrai que je vous ai pas. J'ai pas ouvert parce que voilà, je suis éblouie directement et on voit plus rien. Non, ça va pas. Hop, voilà. Du coup, le packaging est trop beau. Plein de paillotes. J'ai bien mes ciseaux toujours pas loin de moi maintenant. Voilà, on va faire un coup de ciseau pour les retirer. Et c'est un nude. Je sais pas comment on dit. Nude. En fait, il prend à... Regardez le packaging, il est trop beau, j'adore. Voilà. Il donne comme ceci. Et alors, vous voyez, c'est un rose clair. Et alors, si vous le mettez sur vos lèvres, il prend un peu la couleur de vos lèvres. En plus, avec mes lèvres toutes abîmées, il donne pas trop sur mes lèvres. Vous voyez, il commence à bouger. Et j'aime bien trop le packaging. Je me délie pour mettre comme ça de temps en temps quand je mets un peu de Récile et tout ça, voilà. Ça peut bien marcher. Ouais. Alors, après. Ah ouais, ça, faut pas que je le perde. C'est un bon d'achat chez Molière de 6 euros. Ben, j'ai tout montré chez Primark. Après, j'ai voulu aller chez Action. Il faudra que je demande à Mariette de son côté, c'est un Action pour aller voir. Parce que. En fait, je prends des bonbons chez Action pour mon chien.
Et pour le moment, ça n'existe plus. Et c'est vrai que c'est chiant parce que voilà, elle aimait bien celui-là. Mais voilà. Et ici, j'étais chez Action et je me suis trouvé un pantalon 3 quarts. Voilà, j'ai pris en noir et en blanc. Voilà, pour l'été. Maintenant, j'espère qu'ils vont aller. J'ai pris 48-50. Je me dis, s'ils sont un peu grands, c'est pas grave. Je mets une ceinture. Et j'aimais beaucoup la matière aussi. Vous voyez, ça me donne comme ceci. Ouais, je vais rentrer dedans. Ils sont trop beaux. Faut juste que je pense à me raser les poils du coup. Non, je rigole, mais on sort de l'hiver, c'est normal. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai un peu peur pour les poils. Avec mes chats. Alors, je me suis dit, le pantalon blanc comme ça, avec les baskets rouges, ça va flancher. Oh oui, non, je suis déjà... Et après, j'étais chez Molière à la base. C'était pour me prendre un livre. J'ai pas trouvé celui que je voulais, mais je pense que je me le commanderai sur Amazon du coup. Parce que je voulais un... Comment on dit je sais pas comment ça s'appelle. Avec des questionnaires, un questionnaire pour la petite enfance. Mais ici, j'ai trouvé un livre qui a l'air super, mais super. C'est le guide très... Le voilà. Le guide très pratique pour les profs de la petite enfance. 47 fiches pour apprendre toute la situation. Voilà. Ici, c'est l'édition 2. Je vais regarder sur Amazon. Voilà, chez Dunion. Voilà, j'aime beaucoup la... Elle est belle la couverture quand même. Et en fait, c'est mon papa qui me l'a offert. Il vaut 19,99€. Le prof de la petite enfance. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que c'est fait par des petits chapitres comme ceci, avec plein de choses ici. Les enfants ont-ils des parents heureux? Enfin voilà, il y a plein de petits explicatifs et c'est assez coloré, ça a l'air très bien. Avec mon gros livre, ça va aller tout seul. Voilà, c'est mon papa qui me l'a offert. Et au début, vous avez des petites questions là et c'est trop chouette. J'aime beaucoup, mais je vais prendre l'autre quand même. Il y avait des petits dessins dedans, en particulier les crises. Pourquoi les enfants font des crises? Je ferai une photo, après je vais montrer à Mariette. Il y a quand même quelques petites questions là. Voilà, vous avez la violence verbale puis créée avec le choix des mots simples de peur chez les enfants, enfin mieux contrôler les crises. Voilà, et j'aime beaucoup. Voilà, il y a des beaux petits dessins quand même dedans. Du coup, voilà, je vais étudier ça avec le gros bouquin que j'ai déjà. Du coup, voilà, ce sera le premier livre. Et du coup, j'ai craqué. Je savais pas que chez Molière il faisait des Nisha. Du coup, je me suis pris celui-ci. Il est tout petit. Ah, mes lunettes. Je me suis pris celui-là. Il a l'air de bien. Quand tu t'emportes de Lisa Guiloba. De Nisha. Et j'ai pas lu le résumé. Parce que voilà. Mais la couverture me tentait bien. Du coup, on va lire. Fierté, forte et libère. OM. OM. Et une véritable Wesker Girl, charge de communication pour une agence de mannequins à Paris. Elle est très invertie dans son travail. Mais la situation vole en éclats le jour où elle doit pour un de ses clients réaliser l'inverse. John Aristuteur, présidentiel permaculateur. Oh là là, je vais arrêter de lire parce qu'aujourd'hui c'est... Voilà, mais il m'attend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est petit, je pense. Il fait pas si gros que ça. Oh, quand même, 311 pages. Ouais, mais il m'attend beaucoup. Les nichas, je les aime beaucoup. Voilà, il est trop beau. Après, j'allais pas pour ça, mais il faudra que je le retire. J'avais depuis longtemps, enfin, je sais pas combien de temps que je l'ai vu, mais à un moment que j'avais vu, mais je pensais pas que c'était une bricasse. J'avais vu celui-là apparaître un petit peu partout, à trop tatoué de Ludivine Art.
Voilà, j'ai une addictif. Mais vous n'avez pas vu, mais c'est une bricasse. Voilà. Et celui-là me faisait envie depuis longtemps. Je l'avais mis dans ma wishlist. Wishlist, voilà. Et il y a mon chat qui est derrière mes pantoufles. Et du coup, il me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Celui-là, par contre, je ne sais pas les pages qu'il fait. Je n'ai pas regardé. 516. Un peu plus, ouais. 518 pages. Pourtant, il fait. Pour moi, il fait plus, hein, mais voilà. Mais c'est le papier de chez eux qui fait ça. Et voilà. Il me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai craqué pour deux petits poches. Bah, allez. Deux petits poches. Voilà. Deux petits poches de chez Addictif. Tous les deux. J'avais vu celui-là. Et comme j'avais lu la coloc. Je ne sais plus quoi. Coloc, je ne sais plus machin. Je me dis que j'allais me prendre jamais avec mon coloc addictive poche et c'est de Jeanne Paley et j'aimais bien la couverture. Pour une fois ils sont pas tous nus. Il ne devrait pas DG. Il le fera quand même. Sanya a décidé de prendre sa vie en main. Nouveau boulot, nouvelle maison. Il va faire profit bas. Surtout. Pas de vague alors que ce n'est pas le moment de craquer sur l'une de ses colocs. La seule problème, c'est que Camille est aussi belle que piquante, aussi vulnérable que compliquée. Et elle se rend fou, elle me rend fou. ce n'est pas une bonne idée, sa raison lui hurle soigneusement. Son cœur se méfie, mais Sacha n'a jamais su résister à la tentation pour le meilleur ou pour le pire. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Il me tente aussi. Il est petit aussi. Ça peut passer vite. 344 pages. Voilà. Il est très très beau. Et le dernier que j'ai à vous montrer. Par contre, celui-là, il fait un petit peu peur parce que c'est écrit très petit. C'est celui-là. Nos amours contraires de Addictif Poche de Green voilà, je ne sais pas quoi. Tout oppose, ça ne les arrête pas. Mystérieux et invisible, Gabi n'a rien Dieu ni maître. Après le début de la vie, décide de les choix. Pas toujours justifié, mais assumé. Il sait ce qu'il veut d'être libre et de la recette de la liberté. Un simple peu d'amis et pas d'amour, aussi joie et humilieux que Gabriel est un secret de solitaire. Anouchka est son contraire. Elle ne sent vivre qu'après de sa famille et de sa bande de copains. Pourtant, une attirance très forte naît rapidement entre les deux, n'être que tous les proposent. Gabriel est persuadé de que personne, mais même Anouchka, ne pourrait le ramener vers la lumière. Mais Anouchka cache plus ressources qu'elle ne le doit. Et la récontation annonce tellement explosif que même Gabriel ne aurait resté indéfiniment. Voilà, je pense qu'il va pas... Il faut que je fasse mes listes pour le reste de l'année. Mes pales, voilà. Bon, ceux-là, ils sont pas prioritaires quand même. Mais, voilà. Mais c'est quand même... voilà. Voilà pour les quatre bébés. Voilà. Enfin, il y a celui-là, mais celui-là, je vous montre pas. Voilà. Celui-là, il va me... Je vais l'étudier un petit peu plus. Voilà. Et, voilà. Dites-moi ceux qui travaillent dans la petite enfance ce que je peux prendre. J'ai celui-là et j'ai l'autre qui est un gros pavé que j'avais payé aussi très cher.
Celui-ci, c'était 19,90. Mais il a l'air vraiment plus. Un peu mieux. Il a besoin. Ouais, c'est des fiches. Du coup, je vais un peu m'atteler à ça. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de me mettre 1 ou 2 heures à étudier parce que j'ai envie de vraiment me replonger dans tout ça. Voilà. Voilà, ben, cette vidéo est à son terme. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu. Il y avait pas trop de choix en ce qui était. Enfin, je suis pas montée en haut et il faudra que je regarde parce que j'ai perdu ma goudraille. J'espère que c'est ici dans le lit. Ça me perturbe. Hop. Et qu'est-ce que je disais? Il y avait pas trop de choix en Disney. Il y avait quand même des trucs, mais pas vraiment ce que je voulais. J'avais flashé sur un. Je voulais, au début, j'allais pour primaire pour le training que j'avais vu Stitch, mais il y avait le haut, mais pas le pantalon, pas le training. Il y avait le pull, mais j'allais pas prendre le pull sans le pantalon. Voilà. Il y avait quoi encore? Je ne sais plus. Il y avait le Dumbo, ça y avait encore. Dumbo, il y en avait encore pas mal de training. Mais voilà, ça me tentait pas trop. Stitch et Angel en plaid couverture là, que vous mettez sur la tête et vous repliez sur vous là. Et à ça, j'ai ma mèche là qui m'embête. Il a l'air de crôler. Du coup, voilà. Et à part ça, voilà, bah, j'ai passé une bonne matinée. Voilà, je suis partie à 9h20, 9h20, 9h30, arrivée là-bas. Enfin, plus ou moins. Et je suis rentrée il y a même pas 1 heure. Voilà, je suis rentrée, j'ai dit aller aux toilettes, j'ai bu un coup. Et je me suis mis, je vais faire directement la vidéo. Et on est le 9 mars. Voilà. Parce que vous l'aurez pas tout de suite. Je fais quand même le. Je pense que vous l'aurez la semaine prochaine. Peut-être vendredi ou lundi, je sais pas. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain vlog, un prochain tout ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.